Maintenant, on va pouvoir passer au semis des graines de tomates. Alors là, ce sont des graines de tomates cerises, donc des tomates black cherry, c'est la variété. Et donc, elles sont vraiment très petites. Alors moi, pour les placer dans le pot, je vais utiliser mon doigt. Hein, je mouille mon doigt. Et puis, hop, elles se collent. Et puis après, je la fais tomber dans le pot. Alors, avant de faire ça, il ne faut pas oublier quelque chose de très important. Il faut humidifier à l'aide d'un vaporisateur la terre. Voilà. Alors, l'humidifier. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire avec un crayon un tout petit trou. Ça fait des petites marques, en fait. Et je fais tomber mes graines de tomates à l'intérieur. Alors, j'en prends trois. C'est pas toujours facile à faire, parce que là, elle colle beaucoup. On va les tomber. Voilà. Et une autre, voilà. Ça, c'est la première étape du semis. Maintenant, il va falloir recouvrir la terre, recouvrir les graines de terre. Alors, comme les graines sont très petites, on met une très légère couche de terre. Alors, pas n'importe quelle terre, on ne va pas prendre de la terre grossière, on va prendre de la terre tamisée. Voilà. Là, voilà. Et on en met un tout petit peu dessus. Alors, c'est un petit peu comme quand on fait un gâteau, hein, qu'on met du sucre glace. De toute façon, le jardinage et la cuisine, c'est un peu pareil. Hein. Hop, on en met un petit peu. Quelques millimètres, j'allais dire. Hein. Vraiment, pas plus qu'un centimètre. On reprend son doigt et on retasse. Alors, on tasse un peu moins fort qu'à l'étape d'avant, quand même. Et là, c'est prêt. Ah, par contre, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. Il faut à nouveau réarroser. Alors, on réarrose par le dessus, un petit peu. Et ce qu'on peut faire, c'est placer son pot dans la soucoupe et prendre l'arrosoir et apporter de l'eau en bas dans la soucoupe. L'eau, en fait, elle va remonter dans la terre et elle va aller jusqu'à la graine. Et voilà, là notre tomate, nos graines de tomates sont semées et il n'y a plus qu'à les placer en fait sur le bord d'une fenêtre, près d'un radiateur. Alors pourquoi là? Parce qu'en fait, bah, dans nos maisons, on atteint à peu près la température de 19 degrés et c'est ce qui correspond à la tomate. Et puis en plus, au niveau de la fenêtre, c'est là qu'il y a le plus de lumière parce que la tomate a besoin énormément de lumière et de chaleur. Alors, quand on la En fait, il faudra patienter une dizaine de jours, 10 à 12 jours. On va voir en fait la petite plantule se développer. Et puis alors, il faudra arroser. Alors, c'est difficile d'arroser parce que une fois que la plante a commencé à pousser, il faut un arrosoir à bec long, comme ça, à bec fin, pour ne pas mouiller les feuilles de la tomate parce que la tomate n'aime pas l'eau. Même pas l'eau sur ses feuilles en fait. Ou alors arroser par en dessous, dans la soucoupe. Hein, d'où l'intérêt d'avoir une soucoupe. Voilà. Et puis, ben, au bout de 10 à 8 à 10 jours, on aura une petite tomate qui fera à peu près 3-4 cm. Et donc, elle aura à peu près 4 feuilles. Et donc, il faudra, avec un. Moi, je prends une petite baguette ou une fourchette. Il faudra délicatement, en fait, la prendre, sans abîmer les petites racines. Hein, donc, passer son doigt. Alors, on peut des fois couper, on se débrouille, mais hop, on la sort de. Et puis, on la remet dans un pot un petit peu plus gros pour qu'elle continue à grandir. Et quand elle sera vraiment très grande, eh ben, on pourra la repiquer soit dans un pot, si c'est une tomate cerise, ou alors dans son jardin, si c'est une tomate à gros fruits. Voilà. C'est tout simple. Voilà. Et alors il faut faire on peut commencer à semer ces tomates, on va dire, vers le 15 mars, à partir du 15 mars, et on peut les repiquer, on va dire, à partir du 15 mars jusqu'au 30 mars, et on peut les repiquer dans son jardin à partir du 15 mai, parce que sinon il fait beaucoup trop froid et les tomates n'aiment pas ça. Voilà. Et donc c'est fait. Voilà.